Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les Kites Toon Skype. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Les îles Fremen en temps réel. Pour accomplir cette quête, il faudra avoir terminé les quêtes Les épreuves Fremen. Vous aurez aussi besoin de 20 en construction, de 40 en agilité, de 46 en artisanat, de 56 en coupe de bois. Vous aurez aussi besoin de minerais. Dépendamment de votre niveau en exploitation minière, il faudra différents types de minerais. Pour ceux qui sont de moins de niveau 10, il vous faudra 8 minerais d'étain. Pour ceux qui se trouvent entre niveau 11 et 54 en exploitation minière, il vous faudra 7 charbons. Et pour ceux qui sont 55 et plus, il faudra 6 minerais de mithril. Vous aurez aussi besoin d'un thon cru, de au moins 8 cordes, de 2 fils et d'un clou de bronze. À la fin de la quête, vous aurez à tuer au moins 11 trolls au total. Il se situe entre le niveau 53 à 91 pour le boss final. C'est pour ça que je vous recommande de l'équipement de combat et de la nourriture, surtout pour la fin. Pour faire un petit résumé de la quête, la rivalité fraternelle peut devenir compliquée, d'autant plus que lorsque les frères sont des princes fréméniques, avec quelque chose à prouver. Les îles de Zizévray et de Nozéfo ont été créées par deux frères qui se détestent. Parviendrez-vous à prouver votre loyauté envers les deux frères et à les sauver de la menace des trolls? Pour commencer la quête, il faudra parler à Mord Gunnar au nord-ouest de Releka. Accepter la quête, la première option. La troisième. À Zizévray, parlez au roi dans le bâtiment central. Donnez au roi un thon cru. Donnez vos minerais au roi.
Ouvrez le coffre derrière le trône. Prenez les quatre morceaux de la tenue. Retournez à Releka en bateau. Clique droit sur Maria pour prendre le bateau pour Nausefo. Équipez-vous de la tenue de bouffon et sa reine à voir dans les mains. Par la slogue au nord de la banque, sélectionnez la quatrième option. La première. Parlez à Mount Nunis au sud de la bande. Utilisez les commandes du bouffon pour suivre les instructions de Malonis. Si jamais il vous demande de vous trémousser, c'est le bouton danser la gigue. Retournez voir Slug. Sélectionnez la première option. La troisième. La deuxième. La première. Retirez la tenue du bouffon et gardez-la pour plus tard. Parlez à Malnis.
Traversez le pont pour vous rendre à l'île au nord. Coupez les pins arctiques pour obtenir 8 bûches. Cliquez sur une des souches pour couper en deux vos bûches. Obtenez deux autres bûches de pin qui serviront pour plus tard. Par la Maunis. Parlez à Takrad juste à côté, la première option. Allez traverser le pont au nord. Réparer le pont du nord avec un clic droit. Allez à l'est pour réparer le prochain pont. Retourner par la Maunis. Retournez voir le roi Azizévret.
Il faudra taxer les commerçants. Irig doit payer 8000 piastres. Il se trouve dans la maison le plus au sud-ouest. Sélectionnez la première option. Scully doit payer 6000 piastres. Il est dans le bâtiment au nord. Sélectionnez la première option. Van Liga doit payer 5000 piastres. Elle se trouve dans le bâtiment au nord du roi. Sélectionnez la deuxième option. Kipa doit payer 5000 piastres. Il se trouve dans le bâtiment à l'est. Sélectionnez la première option. Retournez voir le roi. Taxez toutes les barbus pour 1000 piastres. Retournez donc voir Irig. Sélectionnez la première option. Parlez à Rome dans la même maison. La première option. Allez parler à Scully juste au nord. La première option. Allez parler à Kipa dans la maison la plus au nord-est. La première option. Parlez à Flossie dans la même maison. La première option. Retournez voir le roi. Retournez à nos infos. Équipez-vous de la tenue du bouffon. Allez parler à Slug.
aller parler à Maunice. Faites ce qu'il vous demandera. Parler à Slug? La première option. La deuxième. La première. La troisième option. Allez parler au roi de Zizévray. Assurez-vous que le roi vous donne une ordonnance royale. Vous devrez peut-être lui reparler deux fois. Retirez la tenue du bouffon. Parlez à Maunice à nos efforts.
aller tuer trois yaks tout en ramassant ce qu'ils laisseront tomber. Donner les trois pots de yak à Tancred pour qu'il l'éteigne. Cliquez sur vos pots tannés pour faire un plastron et les jambards en yak. Parlez à Maonis. Obtenez une corde. Vous pouvez en fabriquer avec le poil de yak dans le bâtiment au sud-est complètement. Allez à une souche d'arbres. Cliquez dessus pour fabriquer un bouclier Fremen. Allez parler à Maonis. Préparez-vous pour le combat. Il y a une banque juste ici au besoin. Allez à la grotte des trolls de glace à l'extrême est de l'île la plus au nord. Tuer 10 trolls des glaces.
Une fois les 10 trolls tués, traversez le pont. Tuez le roi des trolls. Cliquez dessus pour le décapiter. Allez parler à Mahonis. Félicitations, vous avez terminé la quête Les îles Fremen, ce qui vous donne un point de quête, 5000 XP en construction et en artisanat, 10 000 XP en coupe de bois et dans deux compétences de combat de votre choix, 14 000 pièces d'or, un homme de Nozefo, la possibilité de couper les pins arctiques, l'accès aux mines de Nozefo et de Zizévray, la possibilité de fabriquer l'armure de Yak, l'accès aux produits de Yak de contrebande à Zizévray et deux clés de la chasse au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides de RuneScape et de mettre un like. Ça aide grandement au soutien de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!